un jeu que nous avons innové avec nos propres règles, qui est basé sur le thème de l'école, où vous devez, vous avez des pions, vous devez avancer selon une hiérarchie, donc vous avez les directeurs, les professeurs, les élèves, etc. Donc voilà, c'est ça que nous allons présenter aujourd'hui. Donc on est une entreprise qui fait des miroirs en forme de macarons. C'est gourmand, ça plaît toujours aux gens. On est chaud patate, j'ai déjà dit, mais c'est vachement important. Sérieux, votez pour nous, soyez avec nous, les gars, on va gagner. Ça, c'est un pixelit. Et en fait, le principe est très simple, c'est que selon la combinaison de volets qu'on ouvre et qu'on ferme, on peut écrire ou dessiner ce qu'on veut et le modifier à chaque fois. Par exemple, ici, je vais effacer une patte de notre logo. Donc, nous avons créé une pochette à glisser sous le vêtement qui permet de transporter tickets, argent, carte d'identité, carte bancaire en toute sécurité. Et mais pour ma copine, si je lui écris un message d'amour et puis qu'on se sépare, t'inquiète pas pour ça. Un des principes même de Pixelit est justement que tu peux modifier tout ce que tu fais. Et donc maintenant avec Pixelit, tu peux changer de copine quand tu veux. Yes! Il faut plus donner de voix et alors n'hésitez pas parce que de temps en temps vous mâchez les voix à la fin, c'est articulé. Producteur proche, fiable et peu nombreux, et qui s'est occupé d'une bonne gestion de notre stock tout au long de l'année. Chef des spectateurs, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Jim Revenet. Défi. Malheureusement, les jurys, tout le monde nous aime avant, et puis après, il n'y a plus que 25%, 1 sur 4 qui va nous adorer, les autres vont nous détester. Donc j'en profite pour dire aimez-moi maintenant, et on verra plus tard. Voilà. Que dans notre entreprise, un homme est égal à une voix. Un nombre de maisons, un visuel accroché, un commercial pétillant et un stand accueillant pour enfin parvenir à la mini-entreprise B. Dans votre chiffre d'affaires, est-ce que vous avez la répartition du produit qui a le mieux performé? Vous avez fait appel à suffisamment d'experts. Et quelle a été la plus grosse difficulté et comment est-ce que vous gagnez cette place? Et donc, notre stade mettait les couleurs en valeur, ce qui attirait les gens. Rien que niveau Facebook, on a une portée totale de 2063 personnes. Instinctivement, enfin, nous, on a tous eu une envie de rester très locaux. Pour introduire de nouvelles couleurs, de nouveaux formats. Vous avez lu dans le rapport que nous avons rémunéré nos employés d'une manière assez particulière, c'est ça? Mais je voudrais vous dire à tous, j'ai littéralement été bluffé, vraiment bluffé de la présentation. Tous ces jeunes ont compris l'importance de l'image. On a eu 4 projets de très haute qualité. On a vu des projets qui sont commercialisables très vite en fait. Mais le gagnant de ce soir qui nous représentera à Londres est Made.